J'ai dit ce qui suit. Ben, tu restes démute. T'es le seul à rester démute, Ben, pour moi. Ok. D'accord. Je défends un coup, puis je lance la vidéo. Donc, vous êtes prêts? D'accord, attends. Super. Non, attends, je lance mon record, s'il te plaît. Oui, mais aussi quand même, secondes. Tu obéis, okay. Tu fais pas ton petit rabat-joie comme d'habitude. J'en ai marre de toi. Le mec, ça y est, c'est un panda, il se croit au-dessus de l'échelle sociale. Non, mais. Non, mais tu vas parler, tu vas voir, tu vas manger de défoncer sur moi. Moi, je suis un caribou, en fait. Hein. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Balance. Allez, y'a vous, putain, casse-toi, toi. Allez, je lance un record dans 3. C'est chez lui. La saison 1 de Kill the Panda en compagnie de plein de monde. Alors on va commencer tout de suite par les présentations. Donc il y a Spartaclex et Noobi. Hey. Merci du vent. Salut. Il y a Exotique. Salut. Il y a Match. Bah, je suis Ditral. Vous pouvez vous démute pour dire bonjour. Au revoir. Il y a Didier Jomo. Salut. Il y a To qui nous a aidé à préparer. Non, je suis pas là. Il y a Ethan. Hello. Qui aime les pingouins, ce petit raciste. Il y a Cloco du 40, Abou 2004. Bonjour. Il y a Golden 18, merci. The Killer 66, merci pour le serveur. Rastiers et moi-même. Donc on se retrouve pour un KTP en solo. Ah oui, Benjamin 307, le panda rasta. On se retrouve pour un KTP en solo. Les règles, c'est sympa, Tom Tiff. Nether piégé interdit. PVP jour 1 interdit. Les potions de force et potions niveau 2 interdites. Et pas de cheat. Exactement. C'est amusant. Et la liste des participants. Ah, il n'y a pas le droit de camper le portail non plus. Mais j'ai déjà dit. La liste des participants et ceux qui ont une échelle seront dans la description et tout. Et puis bref, bonjour, on va lancer la partie. Allez, on se retrouve après. Sur ce, je vous souhaite une bonne défaite. Good luck. Alors, non. J'ai pas été TP. Oh putain, ça commence quand? Ça commence ça ou? C'est marrant, ça commence. J'ai été TP moi. Moi aussi. Attendez, j'ai pas été TP. Vous attend. Faut TP des gens. Ok, donc c'est parti pour un KTP, un Kill the Panda. Donc, bah. Oh là là, c'est du fun. Alors, KTP, qui dit KTP dit Ultra Core. Vous avez entendu les règles, mais je vais les répéter quand même. Donc, il y en a qui n'ont pas été TP, malheureusement. Je sais pas si on a droit, en fait. Alors, niveau site, bah, je pense qu'on va se faire des soupes, hein, sincèrement. Alors, on est en Eternal Day maintenant qu'ils en parlent. Dès que vous êtes TP, vous commencez. Ok, bah c'est bon. Moi, j'ai déjà commencé. Alors, c'est le jour 1. Donc là, j'ai eu du pot que... C'est parti. Tu vois, par exemple, là, j'aurais pris un dégât de chute. KTP, le principe, c'est d'être le dernier survivant. Bah, je vais retracer toute l'histoire de KTP. Jour 1, pas de PVP. Donc, si j'en croise un. Je ne vais pas le tuer. Ouh là là, je suis en stress. Je sais pas si ça se sent, mais oui, ça doit se sentir. Donc, bah, parce que ça fait un petit peu une heure et demie que j'attends ça. Okay. Ah mince, je sais pas si. Parce que le timer a commencé. Hein. Là, c'est l'épisode 1. Mais le timer a été lancé, donc je sais pas moi. Bouffe, ça va pas être génial. Niveau PVP, je me suis entraîné juste avant. Oh là là, c'est du epic fun. Ah, go, voilà. Donc voilà. J'ai déjà commencé, mais... Hop là, dommage qu'il n'y ait pas les achievements qui se montrent en fait. KTP en solo, donc mon commentaire sera comme d'habitude complètement moisi. Hop là, donc voilà, vous voyez pas, mais moi je viens de le voir. La conversation vient d'être rompue. Bon, j'ai allé par là, en fait. Putain de site de merde, y'a pas de bouffe. Ah si, un poulet, meurt. Le son du jeu peut être un peu fort.
Je sais pas du tout ce que ça va donner en fait. J'avais vu un poulet. J'ai récupéré un petit peu plus de charbon. Vers 10 ou 7 minutes, je m'enfonce pour éliminer. L'Eternal Day, interdit au portail piégé, interdit aux popos de force, 2, interdit de toutes les popos, 2. On a le plugin pour. Hein. Et bah, j'espère que la chance va nous sourire, les amis. Ça va être génial. Mais génial. Un gros filon de charbon, ça. Le KTP, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, c'est un espèce de mini-jeu créé par la team Patrick, Kill the Patrick, comme vous pouvez le voir, même si là c'est un Kill the Panda, qui a été créé par la team Patrick, où le but en fait c'est de la survie ultra hardcore, mais il y a plusieurs joueurs qui participent, et que faudrait pas que je me prenne un dégât dessus parce qu'on est en ultra hardcore. Qui dit ultra hardcore dit vie qui ne régène pas, à moins d'avoir une pomme en or, ou une popo de soin instant, ou alors un beacon. Oh, une vache. La basse. Ouh, il y a 3 vaches ici. Génial, du cuir. C'est tout ce qu'il me faut. Ensuite, il me faut de la canne à sucre. Ici, j'allais avec des boules de neige pour le faire. Ça leur fait rien, mais ça peut. Si je croise du monde, ça peut le faire. Donc, oh, j'avais pas vu. J'ai été give en bouffe apparemment. Mais bon, on va se débrouiller, je vais ramasser un peu de bois après. Alors. Ok, donc le mec il veut qu'il soit givé en 64. Un steak de steak, je pense pas qu'il voudra, Sparta. Il y a du monde. C'est une nouvelle team que je connaissais pas, c'est la team Panda qui organise ça. Comme vous l'avez vu lors de. Alors des innombrables messages là. Ça va être génial, j'espère qu'on va bien s'éclater devant cette série. Encore du survie, vous allez me dire, mais encore du solo. Avec mon commentaire pourri, mais c'est pas de la simple survie, tu vois, c'est un KTP. J'ai pas de flèche, faut des plumes. Pas de qui du fer par là. Bon, il me manque encore de la canne sur un mouton, ça sert à rien. Mais pas en 8. Oh, j'ai peur. En fait, alors il y a encore une vache là-bas, je vais aller la chercher. Il se peut que je me mute un moment parce que c'est normal, c'est des bugs avec des micros. Donc là, je suis à 18 fps. Ça va, c'est fluide, j'aime bien. J'espère que je vais rester à 18 FPS. Attends, je vais voir. Okay, ça baisse un petit peu, mais là, une autre fois, j'ai tué une couleur. C'est bon, je crois que j'ai tout récupéré. Alors, j'ai 2 levels. Ah, donc, la bouffe est descendue. C'est bon, 11. Dommage, il y a trop de moutons. Alors, j'ai pas vu les coordonnées, on est où? Donc là, je m'approche du 0-0, en fait. Il faut éviter ça. Je vais pas regarder les... Mais de toute façon, je m'en fous un peu parce que le PVP jour 1 est interdit. Même si quelqu'un veut PVP, de toute façon il sera ban. Si il kill quelqu'un ou... De toute façon il sera ban. Moi je compte pas... Oh, c'est un biome taiga. Ils sont rares ces biomes. Que je vous montre un peu, il y a énormément de bois, mais c'est rare. Tu es poulet ici. Là. Oui, j'ai 2 plumes, j'avais pas remarqué. Oh, 2 poulets. C'est un massacre. Il m'en faut plus. Ouais, il va m'en falloir plus. Si je vais dans le nether, ça m'étonnerait parce que je suis pas très compétent dans le nether, ça va vraiment pas le faire. Et imagine si je tombe sur quelqu'un ou autre. Je suis sûr qu'ils vont miner à fond en plus. Je suis sûr qu'il y en a déjà qui ont. Qui sont déjà en train de miner. Je vous montre un petit peu les adversaires, je vois. J'en connais pas beaucoup à vrai dire, mais vous pouvez reconnaître Tho très certainement, qui a fait plusieurs trucs avec Gap 35. Il y a Silver qui a participé au KTM, que j'ai rencontré grâce à ça.
D'ailleurs, en parlant du 4ème, il y aura très certainement deux KTP diffusés en même temps. Putain, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de canne à sucre, c'est pas possible. Ensuite, il y a Spartacake, c'est un petit peu l'admin de tout. C'est un petit peu lui, l'homme qui met un petit peu le dieu, en fait. Je vous invite à aller voir le point de vue de plein d'autres gens. Alors, je sais qu'il y a Machu qui filme, qu'il y a Silver. Silver, si tu préfères. Diffusion. Oh, mais on verra ça plus tard. Diffusion des épisodes, on verra ça plus tard. Ils sont comme ça. On s'en fiche. Alors, on est à 11 minutes 30. C'était le risque. J'ai eu peur, d'un truc en fait. Alors, je suis en train de m'éloigner. Par contre, là je suis sûr que j'ai dû croiser quelqu'un. Oula, je sais pas si c'est comme ça d'une map. En fait, je me demande s'il y a une d'une map. En tout cas, j'ai pas envie que j'ai pas envie qu'il y ait une dynamo en tout cas. Ouh, un biome marais, génial, c'est très bien ça. What the fuck, il va fermer. Oula, what? C'est quoi ça? C'est la nuit qui approche. Bref, je m'éloigne du 0-0, même si en théorie je m'en approche. C'est bien, j'ai trouvé un biomarie, il y a souvent de la canne à sucre là-dedans. J'ai beaucoup de cuir, je vais pouvoir me faire des enchantes au bouquin. Si je trouve une... Si j'ai assez de diamants pour faire une table d'enchant, bien sûr. Niveau... Oh, un cochon. Je vais pas refuser ce modeste cadeau. Il y a plein de cochons ici. Mais il n'y a pas de canne à sucre. Si, il y a de la canne à sucre. Mourez. Et lootez-moi de la bouffe, beaucoup de bouffe. Je veux plus de bouffe. Dégage. Ici je peux monter. Oui ça. Oh non, il y a Heifen qui a 14. Nobi. Attends, Nobi il est à 20. Il y a Silver qui a 10. Il est descendu à 19. The Killers sont à 16. Oh, mais ils descendent tous. Les sapins donnent des pommes. Non, ça donne pas de pommes les sapins. C'est pour ça que je voulais m'éloigner de ce biome. Benjamin Kratt, on voit pas son fil. C'est dommage. Donc, 10 minutes. J'ai envie de rester à la surface. Ça démarre fort, hein, je préfère vous dire. Je vais poser ici. À côté de... Ah, là-bas, il y en a cochon. J'ai bien fait de rester un petit peu à la surface. Bouffe. À bouffer. Power, j'adore cette team. Il y a des cochons là-haut. Je peux... Oh là, méchant nounours. Mais j'aime bien les cochons, mais ils sont tous éparpillés. C'est ça le problème. Je vais éviter de prendre des dégâts de chute. Hop là, et je serai souvent concentré. Off, portail piège, pas d'alliance, PVP, pas de PVP jour 1. Voilà. Pas de pomme. Pomme cheat. Comment on fait? Pas de pomme. Pas de pomme de camp. Quoi? Portail. Non, je comprends rien de ce qu'ils me disent. J'ai envie de tuer les cochons là-bas. Plus de cochons. Il y a beaucoup de cochons par là en fait. Pour ça j'y vais. Énormément de cochons. Ça va être un massacre.
Donc, qu'est-ce qui m'oblige de rester à la surface? Au final, rien du tout. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce que je veux, en fait. Il faudrait que les cochons lootent un peu plus. Vous l'avez vu, là, je sais pas si j'ai montré. Moi, je montrerai à la fin si je meurs. Si, on sait jamais, hein. Peut-être que je vais mourir. Moi, je saurai dans pas beaucoup de temps, mais vous... Alors, là-bas, il y a encore d'autres cochons. Beaucoup de cochons, d'ailleurs. Je vais tous les tuer. Hein. Je suis comme ça, je suis un fou. J'ai max de bouffe, il m'en faut plus. Je crois que je vais m'enterrer ici, en fait. Je pense que c'est bon, ça devrait être bon normalement. Ouais, je vais m'enterrer ici, c'est plutôt caché, je vais dire. Ici. J'espère que personne ne m'a vu. J'ai max de charbon aussi, j'en ai récupéré au début. Voilà, donc je vais faire cuire la bouffe. Je commence à en avoir besoin. Les grottes, je pense que je vais éviter les grottes en fait. J'ai pas beaucoup de bois, j'en ai pas pris énormément. Ah, j'ai pas fait de torche aussi. Ouais, bah ce sera le seul regret de cette saison. Pas de torche. Pas assez de bois en fait. Je me suis trompé. J'espère que je vais gagner parce que là je suis bien parti. Là on peut dire que je suis bien parti. J'ai fait un bon épisode 1. Allez, on mine. C'est parti. J'espère trouver rapidement. Je suis sur la couche bien. 67, sympa. J'optifine, faut vous le dire. Mais je sais pas si c'est Optifine qui va faire des kills. J'aurais dû installer Nodus à la place. Qu'est-ce que j'ai vu? Un glitch de bloc qui me montrait un lac de lave. On va bien voir. Bien que je trouve de la lave en fait, c'est une bonne nouvelle. Vous l'entendez, la lave là au-dessus? Non, il est là, quelque part sur le côté. Où est-ce qu'elle est? C'est là en fait. Bon, j'ai remonté, j'ai retiré ça parce que ça me gêne, je vois pas grand chose. Ouais, mon pseudo est en jaune, je sais pas si c'est un avantage ou un désavantage. Bien. Voilà, ça j'ai max de torche et je pourrais aller profond. Je vais poser la table de crâne, je vais me refaire une pioche. Hop là, donc on est moyen parti en fait parce que j'ai pas pris de grotte et tout. Il faudrait éviter de se mettre ici en fait. Bon, il faut trouver la choude. C'est une grotte derrière.
Là, je l'avais prédit. Vive le charbon. Je vais en avoir besoin au début. Pour faire des torches. Pour faire griller un petit peu tout. Silver. Hey, reviens. Niveau lag, je vois qu'il y en a quelques-uns qui ont quelques lags. Par exemple, qui n'ont pas été TP au début ou autre. Moi, je n'en ai aucun, comme vous pouvez le voir. Un petit peu, à part. Parfois quelques petits rollbacks. Du coup, je trouve cette. Ça se trouve, c'est derrière ce truc. J'ai entendu dire que. Je vais quasiment minopti, c'est ça le truc. Ah, vous l'avez bien vu là, le glitch. En fait, la lave est plus loin. Bon, en plus, on va bientôt se quitter. J'ai aucun fer. Ça va pas être génial. Oh là là. Ultra concentré. Ça va le faire. On va gagner, c'est sûr. La lave est plus loin. C'est bien ce que je pensais. Enfin, je pense. Il y a 14 joueurs, mais il y a 15 teams. Attends, il y a 14 joueurs, mais il y a 15 teams. Il y a une team de 2 ou quoi? Attends, je regarde. Mais non, il n'y a pas de team de 2. Pas de team du coup. Fait chier le gardien. Je vais descendre les fours aussi parce que faire l'aller-retour à chaque fois ça va vraiment pas le faire. Hop là. Je conduis. Pas grave. Bon, je vais ramener les fours. C'est ce qui va m'occuper durant cette dernière minute de l'épisode 1. Faut vraiment que je boive en même temps. Ah là là là. J'ai pas trouvé de fer, je suis deg. Allez, 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 allez. Voilà. Je récupère XP. Et je récupère le loup. Tranquille. Donc voilà, c'était Babacham. Pouce bleu, abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine fois pour la suite de notre KTP. Allez, bye bye. Bye bye. Bye bye. Voilà.